10 000 euros, c'est ce que l'association des parcs et jardins de Haute-Normandie a remis le 15 avril dernier à la Fondation Charles-Nicolle. Un don généreux grâce à l'édition 2015 des Jardins du Cœur. Bien, l'opération Jardins du Cœur est une opération qui a été, je dirais, mise en place pour la première fois il y a plus de 10 ans, qui est un partenariat entre l'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie et ce qui était à l'époque l'association Charles-Nicolle, qui petit à petit, au fil des ans, est devenue la Fondation Charles-Nicolle. Qu'est-ce que c'est que cette opération? C'est tout simplement, une fois par an, les propriétaires de parcs et de jardins ouvrent leur jardin au public pour essayer de récolter le maximum de fonds pour verser ces fonds à l'association et donc maintenant à la Fondation Charles-Nicolle. Ce don a contribué à l'achat d'une plateforme de marche dite Get Right au bénéfice des patients du CHU Hôpitaux de Rouen. Alors la piste de marche Get Right est un outil considérable. Elle va nous permettre de mieux comprendre, de mieux analyser les anomalies de la marche des enfants handicapés moteurs et ainsi d'améliorer la prise en charge en ciblant plus précisément les différents traitements. Prochaine édition des Jardins du Cœur, les 18 et 19 juin. Une trentaine de parcs et jardins ouvriront leurs portes au grand public, toujours au bénéfice de la Fondation. Nous y reviendrons dans un prochain journal.